De pépé culte jusqu'à pépé nouchi, en passant par pépé course et pépé love, retrouvez tous vos programmes préférés de la semaine dans une seule émission, qu'est la grande édition. Bonsoir. Toujours sur le thème du salut, découvrez ou redécouvrez selon la Bible le point de vue du pasteur Malik Uriel de l'église Mission Sanctuaire de Gloire. À l'aide d'illustrations bibliques, il affirme que le salut se présente sous plusieurs formes. Et la Bible dit en Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Nous sommes en train de parler de salut ici parce que la Bible nous dit que le Messie est celui qui est le sauveur. Le Messie est venu pour donner la vie, pour apporter le salut. C'est pourquoi le livre de Romains 10, le verset 9 dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé ». Tu seras sauvé, c'est ton futur. Mais la Bible dit que tout part de la confession. Si tu crois dans ton cœur, que tu confesses et que tu crois que Christ est venu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, la Bible dit alors tu parviens au salut. Paul pouvait dire plus loin, crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta maison, et vous serez sauvés. Donc en un mot, le salut, c'est le Christ, c'est le sacrifice du Christ à la croix. Dosso Mamadou et Alima Ouattara sont passés dans Pépé Love cette semaine. Voici en exclusivité un extrait de leur mariage. L'actualité marquante de cette semaine dans Pépé News était celle liée au manque d'établissements bancaires dans la localité de Danani. Nos reporters y étaient pour prendre l'avis de la population sur ce fait. Plus précisément à Danani. Ici, les banques ont disparu depuis la crise post-électorale qu'a connue notre pays. À notre micro, un habitant de cette ville a fait une doléance pour le retour des banques à Danani. Écoutons-le. Je souhaiterais vraiment que les banques viennent à Danani parce que dans un premier temps, je prends le cas des fonctionnaires. Ils doivent aller jusqu'à moi pour pouvoir retirer leur argent. Supposant que, bon, je n'ai pas le transport pour aller jusqu'à moi. Comment faire pour avoir accès à mon salaire? Ça c'est de 1, j'ai fini de prendre mon argent et on peut me braquer sur la route. Ça c'est de 2. Supposant que j'arrive à moi, je n'ai pas pu retirer l'argent. Je n'ai pas l'argent pour pouvoir louer une chambre d'hôtel. Qu'est-ce que je fais? Je suis coincé. Pourtant, je suis résident. Je suis à Danani. Il y a une banque ici. À n'importe quel moment, je peux soit emprunter un taxi ou marcher. Pour plus d'actualités sur la ville de Boaké, Yeo Naomi, ma binôme de Pépé News Plus, nous a conduit dans la petite usine de fabrication de sachets d'eau que tient Kaba Loseni. Sababou, le voilà aujourd'hui dans Boaké. Bon, ici là, mon bonnet fils là, on fait, quand tu vois la boutique là, quand moi je gagne un peu, après calcul là, le reste là on paye, ma sanisse pour mettre là-bas. Comme il y a un autre point, voilà, tu vois non, voilà. Maintenant, vous pouvez faire combien de paquets d'eau par jour? Bon, ici là, ça dépend, hein. Souvent on fait 1000 paquets par jour. Ça dépend des marchés. Souvent 500, souvent 800, ça dépend. Mais, au fait là, à l'air comme ça là, chaque jour, on peut faire 1000 paquets par jour. Ok, mais c'est à quel moment? Les émissions Pépé Course se suivent, mais ne se ressemblent pas. De nouvelles préférences en matière de produits et une nouvelle question à chaque épisode. Voici un recap des Pépé Course de cette semaine.
tout ce gros lot-là vous a coûté? Le pain, le riz, le mixeur? 50 000 francs. D'accord. Donc, maman, à l'occasion de vos 12 ans, Pépé Kous a décidé de vous offrir l'intégralité de vos courses aujourd'hui. C'est seulement ça. Merci à Pépé Kous. D'accord, vous allez nous aider à compter. Vous êtes les yeux sur l'émotion. D'accord, maman, donc tenez, c'est pour vous. Exactement, 50 000 francs. Vous allez nous aider à présenter en regardant juste là. Merci à Pépé Kous. Oui. Le regagnant du jeu Pep Souffle. Alors, je vous invite à participer au jeu sur la page, surtout à vous abonner aux différentes pages de Pépé Souffle. Merci et bonne soirée. Merci, cher Piment, d'avoir suivi la grande édition. On se retrouve demain pour Pépé News.